sais, mes pauvres amis, ce n'est pas grand-chose, mais on va se le partager. C'est tout ce que vous aurez aujourd'hui. Servez-vous, ne vous gênez pas. Profitez-en. Combien de fois que je te répète que nous sommes la veille du nouvel an? Tu as certainement mieux à faire qu'à jouer avec les oiseaux. Je te rappelle que je t'avais demandé de ramasser du petit bois pour ce soir. Je ne vois pas pourquoi tu donnes à manger aux oiseaux. Tiens! Oh! Et ne revenez plus jamais ici! Anna! Oui? Nous allons faire les commissions pour fêter dignement cette soirée. Toi, tu t'occuperas de nous trouver du petit bois. Tu en rapporteras de quoi bien nous réchauffer. Bien sûr. Dépêche-toi, maman. Je commence à avoir froid, moi. Oui. Il doit y avoir foule aujourd'hui en ville. Qu'est-ce que tu fais toute seule au milieu de la forêt? C'est pas très prudent. Bonjour, monsieur le soldat. Bonjour. Oh, j'ai l'impression que tu t'es égarée, tu ne retrouves plus la piste. Oh, non, pas du tout. Je ramasse du bois pour la maison. C'est vrai? Oh, mais ta mère est complètement folle de t'obliger à sortir seule dans la forêt, c'est criminel. Ce n'est pas ma mère qui m'a obligée à venir. Non, ma mère, elle est... Oh. Je n'aurais jamais dû te dire ça. Excuse-moi. Mais ton père aurait dû intervenir. Personne n'a le droit de te faire faire ce travail. Mon père, il est mort, lui aussi. Tes deux parents sont morts. Tu es orpheline, tu n'as plus personne pour veiller sur toi, c'est ça, n'est-ce pas? Attends.
Je vais t'aider, je ne suis pas trop pressé. Laisse. Merci, c'est gentil, nous irons plus vite à deux. Ne m'en remercie pas, c'est normal, ma pauvre petite. Je ne peux pas te laisser travailler seule par ce froid. Heureusement que vous êtes passée par là. Il n'y a vraiment qu'une petite orpheline et un soldat comme moi pour travailler une heure pareille. Vous aussi, quelqu'un vous a demandé de ramasser du bois? Oh non, moi je vais protéger une jeune fille, une personnalité. Une petite fille que tu n'as certainement jamais vue. Oh, pourquoi je ne l'aurais jamais vue? Et tout simplement parce que c'est la reine. Non, c'est vrai? Vous allez voir la reine? Pour être précis, je vais même au palais de la reine. Je vais m'installer dans la salle du grand chambellan. Pourquoi? Eh bien, tu sais que le premier de l'an est demain. Il y a une grande réception. Des bijoux d'or et d'argent, des broderies de grande valeur, des poupées même seront déposées au pied de l'arbre en l'honneur de la reine. On va offrir des poupées à la reine? Elle a encore le temps d'y jouer à son âge? Mais oui, mais bien entendu, elle adore jouer à la poupée. Je te signale que c'est une petite fille qui n'est pas plus grande que toi. Oh, vous savez, il y a longtemps que je n'ai plus joué avec une poupée. Ça ne m'étonne pas. Tu travailles déjà comme une adulte, peut-être même davantage. En revanche, la reine n'a manifestement jamais rien fait de ses 10 doigts. Ah, une reine ne travaille pas comme les autres petites filles. Son père et sa mère sont morts. Elle est devenue le personnage le plus important du pays. Tout le monde lui obéit. Mais la pauvre, finalement, elle est comme moi, n'est-ce pas? Elle est orpheline. Oui. Effectivement, elle aussi, elle est orpheline. Pauvre reine. Ah, ça oui, pauvre reine. Personne ne se sent le courage de lui dire ce qui est bien ou mal, et ce n'est certainement pas une bonne chose. J'ai peut-être une idée qui lui fera plaisir. Ah oui? Bien sûr, je vais vous montrer un très joli sapin que vous pourrez offrir de ma part à la reine. Oh, mais c'est très gentil de ta part. Tenez, c'est le plus bel arbre de la forêt. C'est vrai, je n'en ai jamais vu d'aussi beau. Un cadeau pour la reine orpheline. Oh, il est magnifique. Votre Majesté. Votre Majesté. Mes hommages. Mes hommages. Vous faites trop de bruit. Je n'entends plus manger. Qu'est-ce que vous voulez encore? Votre Majesté, il est grand temps de penser à votre cours de mathématiques. Avant votre cours, Votre Majesté, permettez-moi de... Il faut que je signe quelque chose. Excusez-moi, mais nous attendons votre décision. Qu'est-ce qu'il faut que je décide? C'est une décision de la plus haute importance. Cette personne a été condamnée à mort. Est-ce que vous lui accordez votre pardon ou devons-nous l'exécuter? P-A-R-D-O. N. M-O-R-T. Elle sort en éjeté. Ce sera donc la mort. Bien, Votre Majesté. Mais Votre Majesté, c'est trop cruel. Oh, ça suffit comme ça. J'ai décidé. C'est clair, non? Ah, si tel est votre désir, Majesté. Bien. C'est drôle de décider. Et j'espère que ça vous fait plaisir, au moins. Bien sûr, Majesté. Bien sûr. Bien. 6 fois 6, Votre Altesse, je vous en prie, répondez. Ça ne m'intéresse pas. Je vous en supplie. Vous passez votre temps à dire que je réponds de travers. J'aime que les gens soient d'accord avec moi. Mais Votre Altesse... Attention à ce que vous allez dire, sinon je signe votre arrêt de mort à vous aussi. Comme Votre Altesse voudra. Bon, attendez. Si je vous écris les résultats, je suppose que vous serez content. Pas tout à fait, Majesté. Bon, alors, nous disons 6 fois 6 = 3. Pas d'objection? Non, Majesté. 7 fois 8 = 10? Ah, alors, absolument, Majesté. Et 3 fois 3, ça fait 100. N'est-ce pas? Réponse en tout point remarquable, Majesté. Félicitations. Entourez donc les bonnes réponses. Bien, Votre Majesté. J'aime bien quand vous entourez les bonnes réponses, c'est plus clair. Vous me donnez un autre problème maintenant?
Je crois que ce sera tout pour l'arithmétique aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer l'importance du nouvel an et l'intérêt d'un calendrier. Tout d'abord, dans une année, il y a 12 mois et 4 saisons. Vous savez déjà qu'il s'agit du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Moi, j'aime bien le printemps. Le printemps a lieu au mois d'avril, ou plutôt à la fin du mois de mars, donc après janvier et février. Et moi, je veux que le printemps arrive tout de suite. Je suis désolée, Majesté, c'est malheureusement impossible. Ah, vous recommencez. Vous êtes encore contre moi. Mais non, pas du tout. Ce sont les lois de la nature et l'homme ne peut pas les modifier. Mais moi, la reine, je vous dis que je veux changer ces lois. Oh. Ah non, non, ne recommencez pas. Mais votre majesté, je vous en prie, ne vous énervez pas, je vais vous expliquer. J'espère. Vous voyez, chaque saison nous fournit un cadeau bien particulier. Janvier... Et avril. Elle est belle, cette fleur. Eh bien, Majesté, cette fleur est le cadeau d'avril. Le cadeau d'avril? Oh, je ne comprends pas. Je n'en ai jamais vu dans le jardin du palais. Mais c'est tout à fait normal. C'est une plante sauvage. Elle ne pousse pas dans les jardins. J'aimerais bien en avoir une. Avril arrivera en son temps. Il vous suffit de patienter 90 jours et elle fleurira dans la forêt. 90 jours? Pourquoi ça? Personne ne peut faire attendre la reine aussi longtemps. La fête est pour demain. Je vais avoir cette fleur sur ma table au début du repas. Vous avez entendu? Je veux cette fleur, c'est clair? Oh, c'est très clair. Mais oui, vous venez de le dire, c'est très clair. Alors faites votre travail. Majesté, les lois de la nature sont telles que c'est je ne... C'est moi qui fais les lois dans mon royaume. Que quelqu'un fasse venir mon premier ministre immédiatement... devront dorénavant fleurir les derniers jours de l'année sur ordre de Sa Majesté la Reine. Quiconque apportera un panier de galanthusia au palais avant le début des festivités du Nouvel An recevra un panier d'écus d'or rempli personnellement par la Reine. Oh, un panier d'écus d'or, tu as entendu? Oh, vite, maman, dépêche-toi. Nous allons gagner un panier d'écus d'or. Tu as entendu? Va en chercher dans la forêt. Personne ne connaît la forêt mieux que toi. Alors ne traîne pas et va en chercher. C'est quand même pas compliqué. Oh, c'est ridicule. Mais c'est impossible. On ne trouve pas de galanthusia au milieu de l'hiver. Il faut attendre le mois d'avril. On ne plaisante pas. J'ai entendu l'annonce faite tout à l'heure. Je ne suis quand même pas encore sourde. La reine n'est pas une imbécile. Elle sait que c'est une fleur de printemps. Et c'est pour ça qu'elle offre un plein panier d'écus d'or. Si on était au printemps, elle n'offrirait rien du tout. Elle enverrait ses gens, tout simplement. Quel froid. Du frigorifié. Et il va bientôt faire encore plus froid. Heureusement, il fait bon près du feu. Mais qu'est-ce que tu attends? Mais dépêche-toi! Quelqu'un pour recueillir toutes ces fleurs avant toi. Jamais personne n'oserait sortir par une nuit pareille. Et... Celui qui s'y aventurait ne retrouverait pas son chemin. Tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas essayé. Écoute, on a besoin d'argent pour acheter de quoi manger. De quoi te faire manger. Mais c'est vrai, nous avons besoin d'argent pour te nourrir. Tiens, prends ce panier. Tu es folle? Celui-là est tout neuf. Et si elle le perdait, ce vieux fera très bien la fête. Mais qu'est-ce que ça peut faire, un panier? Il n'est pas assez grand, celui-là. On aura moins d'écus d'or. Le panier sera perdu si cette pauvre idiote ne trouve pas de fleurs. C'est complètement ridicule. Oh,
Il n'y a pas de galantusia au milieu de l'hiver. Oh, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne m'envoyez pas dans la forêt. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Que ce soit moi qui aille? D'accord, je suis prête à mourir de froid. Oh, allons, ne fais pas de bêtises. Nous venons à peine de rentrer de la ville. On est gelés jusqu'aux os. C'est de la folie. Anna, c'est à ton tour de sortir maintenant. Va chercher des fleurs tout de suite. Dépêche-toi, dehors. Et ne reviens pas les mains vides. T'endors pas en route. Excuse-moi, j'aurais jamais dû te parler comme ça. Et moi, je n'aurais jamais dû pleurer non plus. Excuse-moi, maman. De toute façon, elle a raison. On ne trouve pas ces fleurs au milieu de l'hiver. Et il fait un froid de chien. Dans la forêt, au milieu de la nuit, elle peut... Ah oui, elle peut mourir, et alors? La vie sera sûrement plus agréable sans elle. Il y a longtemps que je ne peux plus la supporter. Remarque, c'est vrai. Tu sais que tu n'es pas bête, toi. Personne par ici. Même les animaux restent cachés dans leur terrier à cette heure-ci. Or... Oh, oh, c'est un loup! Je ne peux plus aller plus loin. Je crois que je vais mourir ici. Papa! Oh, oh, je ne sais plus si je dors. Je ne sais plus si je suis vivante. Oh, oh, qu'est-ce que c'est? Thank you.
ça fait du bien. Je peux me réchauffer un petit peu, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez? À part nous, personne n'avait encore jamais réussi. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Mais cette petite a trouvé le feu et de toutes les manières, elle est arrivée jusque-là. Et pourquoi ne pas la laisser se réchauffer? Approche, n'aie pas peur. Viens te réchauffer, tu en as bien besoin. Merci. Je suis très bien là. Je commence à avoir chaud. Ah, oh, ça fait du bien, merci. Mais qu'est-ce que tu fais là au milieu de la forêt et à minuit? Je ne tenais pas à sortir, mais il a fallu que je sorte chercher des fleurs de galanthusia. Des galanthusia? Oui. Oui, je sais, c'est drôle. Mais je ne trouvais pas ça drôle il y a 5 minutes. Heureusement, je vous ai trouvé et je peux rire de mon aventure. Je vous remercie beaucoup, mais il faut que je m'en aille. Merci encore de m'avoir laissé me réchauffer. Oh, attends une seconde. Ne pars pas si vite. Et où tu veux aller de toute façon, hein? Et ne me dis pas que tu cherches vraiment des galanthusia. Au milieu de l'hiver, oh, ça prouve que tu n'as jamais mis les pieds dans la forêt et que tu ne connais pas les galanthusia. Ça doit être l'explication, puisque je ne me souviens pas t'avoir déjà vu ici. Ou plutôt, je ne t'avais jamais vu comme ça, les yeux embués de larmes. Vous me connaissez? Oh, bien sûr. Nous sommes les esprits des 12 mois. Les esprits des 12 mois? Oui, moi je suis Avril et je sais tout ce que tu peux faire au mois d'avril. Et moi je suis l'esprit du mois de décembre. Je sais que tu es la seule de toute la région à nourrir les pauvres animaux qui meurent de faim. Nous te connaissons tous. Tu es une gentille petite orpheline qui travaille très durement. Tu travailles même beaucoup trop pour ton âge. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Janvier? 1 heure pour elle, ce ne serait pas une mauvaise idée? Vous avez entendu, qu'est-ce que vous en dites? Et glace, je vous l'ordonne, libérez la forêt en l'honneur de notre brave petit ami. Allons, allons, ne t'inquiète pas. À ton tour maintenant, Février. Réveille-toi, terre engourdie, et fais fondre ta couverture de neige.
Et maintenant, c'est à mon tour. Regarde, tu vas bientôt pouvoir cueillir tes galanthusias. Hein? Des galanthusias? Oh! Bonjour le lapin, c'est déjà le printemps. Oh, oh des galanthusias. Est-ce que vous existez vraiment? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible, je rêve, n'est-ce pas? Mais non, ce n'est pas un rêve. Nous avons laissé le printemps revenir pendant une heure. Non, je sais que je ne rêve pas. Merci, Avril. Qui connaît le printemps? J'avais oublié qu'on était la veille du Nouvel An. Merci à tous. Je serais morte de froid si vous n'aviez pas été là. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Et grâce à vous, je vais rester à la maison sans me faire disputer. J'aurais été punie si je n'avais pas rapporté ces galanthusias, même au beau milieu de l'hiver. Tiens, c'est pour toi. Nous te faisons cadeau de cette bague magique. Elle t'aidera à te souvenir de nous. Oh, oh, comme elle est belle. Chaque fois que tu la regarderas à ton doigt, tu penseras à nous. Oui, Avril, c'est promis. Attends, quand tu auras des ennuis, tu la lanceras en disant « Roule, belle bague, roule vite !» auprès de l'esprit du printemps, tout au long de l'été, aux portes de l'automne, au manteau de l'hiver... jusqu'au Nouvel An. Mais si malheureusement tu la perds, tu ne nous reverras plus jamais. Je ne la perdrai pas, j'y ferai très attention. Merci du fond du cœur. Écoute, au cours de la dernière nuit de l'année précédente et à l'aube du Nouvel An, tu nous as aperçus, nous, les 12 mois, et tu as pu cueillir un plein panier de galanthusias. C'est tout à fait interdit par les lois de la nature. C'est pourquoi tu ne devras parler de cette rencontre à personne. C'est un secret que tu dois garder, quelles que soient les circonstances, sinon nous ne nous reverrons jamais. Je ne dirai rien à personne. Dans ce cas, dépêche-toi de retourner chez toi, ma fille. Je vais être obligé d'appeler la tempête de neige qui sévit en hiver. Bien sûr. Au revoir, esprit d'Avril. Au revoir, au revoir. Thank you.
Bonne année, petite maman. Et bonne année, papa. Regarde, ce sont bien des galanthusias. Mais oui. Et tu as vu, maman, ce sont des vrais. Autrement dit, nous allons remplir ce panier d'écus d'or. Qu'est-ce que je t'avais dit hier soir? Fallait lui donner un plus grand panier. Ben, c'est trop tard maintenant. Mais sincèrement, je n'aurais jamais cru que cet imbécile trouverait des galanthusias. Ben, où tu vas? J'ai une idée. On met un peu de terre au fond et ensuite on met les galanthusias au-dessus et le tour est joué. La reine n'y verra que du feu et nous aurons davantage d'écus d'or. Oh, bravo, ma petite chérie, tu es bien la digne fille de ta mère. Oh, le panier sera rempli à ras-bord d'écus d'or. Comment a-t-elle pu trouver des galanthusias à cette époque de l'année? C'est incroyable. De toute façon, on s'en moque. L'important, c'est d'avoir des écus d'or. Tu ne vas pas me dire que tu dors encore, Anna. Majesté, de nombreux invités sont déjà arrivés au château. Il est tout à fait impossible d'annuler les festivités. Il n'y a pas à donner de festivités avant la nouvelle année. Mais nous sommes le 1er janvier, Majesté. Monsieur le Premier ministre, vous avez tort. Professeur, combien y a-t-il de jours au mois de décembre? Il y en a 31, Votre Altesse. Alors moi, la reine, je décrète que nous sommes le 32 décembre. Votre Altesse plaisante certainement. Non, je ne plaisante absolument pas. Demain, nous serons le 33, après-demain le 34, et puis ainsi de suite. Je suppose que vous pouvez continuer tout seul, professeur. C'est absolument impossible, Majesté, impossible. Vous ne pouvez pas modifier le cours du temps. Oui, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un vient d'apporter des galanthusias, comme l'avait demandé la reine. Quoi? On m'apporte des galanthusias? Bien des galanthusias, je savais qu'on en trouverait. Ces fleurs sont bien réelles, n'est-ce pas, professeur? Elles sont réelles? Oui, mais pourtant c'est impossible. Regardez. Oui, Majesté, ce sont bien des galanthusias. Alors moi, la reine, je déclare que nous sommes le 1er janvier de la nouvelle année. Et tous nos vœux de bonheur, Majesté. Bonne année à tous. Mes vœux pour la nouvelle année, Majesté. Bonne année, professeur. Bonne année. Majesté. Oui. Vous pouvez remplir notre panier d'écus d'or. Oh, oui, bien sûr. Oh, vous avez bien travaillé. Vous avez mérité la récompense que j'ai promise. Nous nous efforcerons toujours de faire plaisir à votre Majesté. Alors, expliquez-moi comment vous avez réussi à les trouver. Des galanthusias en janvier, je ne comprends pas, c'est impossible. Oh, alors comment appelez-vous les fleurs que ces personnes nous ont apportées? Bon, dites-lui où vous les avez trouvées, sinon il ne vous croira pas. Ben voilà, en fait... Nous sommes allés dans la forêt.
Au beau milieu de la tempête. Et alors que nous avancions péniblement... Et nous sommes arrivés au bord d'un lac tout rond comme une très grande assiette. C'est vrai, un lac en forme d'assiette? Oui, un lac d'une eau transparente. Et justement... Justement, cette eau n'était pas encore gelée. Il y avait des fleurs sur la rive. C'est là que vous avez trouvé des galanthusias. Il y avait aussi toutes sortes de fleurs. Oui, il y avait même des cerises et des fraises. Oh, mais c'est merveilleux! Mais c'est surtout tout à fait impossible. Des galanthusias. Monsieur le Premier ministre, je voudrais aller au lac admirer ces fleurs. D'accord. Pourquoi pas, mais après les festivités, Majesté. Vous m'y conduirez aussitôt après la fête. Excusez-moi, Votre Altesse, mais... Mais quoi? Je crois que c'est impossible. C'est malheureusement beaucoup trop loin de votre château. J'ai fait connaître mes désirs hier et vous rapportez ces fleurs aujourd'hui. Mais il fait horriblement froid dans cette forêt et puis surtout... Il n'y a pas de chemin avec cette neige. Mes soldats me traceront un chemin sans problème. Mais vous ne pourrez pas voir le lac, Majesté. Et pourquoi ça? Mais parce que le lac est entièrement gelé maintenant. Et les galanthusias? Eh ben, elles ont dû geler et mourir depuis. Vous auriez eu juste le temps de sauver celle-ci. Ben voilà, exactement, Majesté. Vous dites n'importe quoi. Vous osez vous moquer de votre reine. Majesté, ce sont de vulgaires escrocs qui ont trouvé ce moyen pour récupérer des écus d'or. Je crois qu'elle mérite le châtiment suprême. Oh non! Oh, pas le châtiment suprême, Majesté. Vous n'irez pas droit si vous me dites la vérité. Ça n'est pas bien compliqué. En fait, nous ne pouvons pas vous dire où on peut trouver ces fleurs parce que nous ne le savons pas. C'est vrai, nous ne le savons pas. Comment ça? Parce que nous ne sommes pas allés dans la forêt cueillir les galanthusias. Ça n'est pas vous, mais qui les a trouvés, alors? C'est une fille. Une pauvre fille que j'ai recueillie. Une fille qui habite chez vous? Oh, je me suis endormie à peine arrivée. Ma bague! Oh, c'est pas possible! Les galanthusias ont disparu. Je suis sûre que j'avais une bague au doigt quand je suis rentrée hier soir. Si j'avais de gros problèmes, je pouvais la lancer en disant lentement: allons, roule, belle bague. Roule vite. Auprès de l'esprit de printemps, tout au long de l'été, aux portes de l'automne, au manteau de l'hiver jusqu'au nouvel an. C'était pas un rêve. Quand je suis rentrée, j'ai entendu les cloches qui sonnaient le début de la nouvelle année. J'ai commencé ma prière, j'étais fatiguée, je me suis endormie. Oh, c'est terrible! On m'a volé la bague pendant que je dormais. Tu es là, ma petite fille! Ça y est, tu es réveillée. Bonjour, ma petite fille. Votre petite fille, qui est-ce? Allons, ma petite fille, qui veux-tu que ce soit? Voyons, c'est toi. C'est moi? Mais comment vous pouvez me parler comme ça alors que vous m'avez volé ma bague? Comment ça, quelle bague? Tu as vu une bague qui lui appartenait? Et moi, une bague? Non, je ne suis pas au courant. Non, rendez-moi cette bague, je vous en supplie. Je vous ai apporté les galanthusias comme vous me l'aviez demandé, n'est-ce pas? Oh, ma brave petite fille, nous risquons d'être exécutés à cause de ces fleurs, justement. La reine est folle de rage. Il n'y a que toi qui puisses nous sauver la vie. Elle veut vous faire exécuter, mais pourquoi? La reine a dit qu'elle nous réservait le châtiment suprême si nous ne lui montrions pas où tu avais trouvé les galanthusias dans la forêt. Oh, c'est la reine qui a demandé ça. Oh, nous allons bientôt mourir. Je regrette, mais je ne peux montrer cet endroit à personne, pas même à la reine de ce royaume. Oh, tu peux nous dire au moins comment y aller? Non, c'est impossible. Oh, je me rappelle quelque chose à propos d'une bague. Quoi? À propos de ma bague? Si tu veux tout savoir, je te l'avais empruntée pour une journée. Mais malheureusement, la reine l'a remarquée et elle me l'a demandée. Oh oui, c'est vrai. Mais elle a dit qu'elle la rendrait si on lui montrait où poussent les galanthusias. Je n'ai pas rêvé, elle a bien dit ça. Oh, je m'en souviens parfaitement. Non, je ne peux malheureusement pas la conduire dans la forêt. Mais je peux peut-être m'arranger pour lui cueillir d'autres galanthusias. D'accord, bonne idée. Je vais t'accompagner. Oh non, je ne peux pas y aller avec toi. Pourquoi?
Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Elle peut très bien y aller toute seule. Je compte sur toi, ma petite fille. C'est une question de vie ou de mort pour nous. Tu vas la suivre discrètement. Moi, pendant ce temps, je vais chercher la reine et sa suite. Entendu, maman. Donne-moi des bouts de tissu de couleur, s'il te plaît. Des bouts de tissu de couleur? Mais pourquoi faire? Allons, maman, c'est pourtant évident. Comment veux-tu suivre notre piste si tu n'as rien qui indique notre passage? Tu ne nous retrouverais jamais. Oh, ce que tu es intelligente, ma chérie. Tu es bien ma fille. Oh. Majesté, il n'y a plus aucun problème. Je peux vous montrer où poussent les galanthusias. Parfait. Alors, direction le lac en forme d'assiette. Très bien. Oh! Attendez-moi, non! Rien de cassé. Oh, qu'elle peut être désagréable. J'étais obligée d'y aller toute seule. Attends, attends une seconde. Laisse-moi d'abord me débarrasser de cette neige. Il faut que tu retournes à la maison. Oh, mais puisque je suis là, tu peux me laisser t'accompagner. C'est ridicule, voyons. C'est pas ridicule. Si tu ne pars pas, je rentre. Ah non, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que la reine et ses soldats ne vont pas tarder à arriver jusqu'ici. Regarde. Ça, c'est un point de repère. Quoi? Oh, est-ce que je peux être bête? Arrête! Pas la peine de pleurer, ça ne sert à rien! Et maintenant, il faut que je marche? Oui, Majesté, le traîneau ne peut pas aller plus loin. Prenez garde de ne pas glisser. Je vous remercie, je sais ce que je fais. Vous ne vous êtes pas fait mal, Majesté? Mais bien sûr que non! Votre Majesté, regardez, il suffit de suivre ces points de repère. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je savais que nous étions sur la bonne voie. C'est un froid de loup. Pourquoi votre fille est-elle venue ici? Qu'on me donne un autre manteau et tout de suite. Oui, Majesté. Cela vous ira, Majesté? Si cela me permet de résister, ça ira. Merci, soldat. Je suis au service de Sa Majesté. Je peux savoir pourquoi tu t'éponges le front? Je vous prie de m'excuser, Majesté. Je n'ai pas à t'excuser, réponds à ma question. Parce que je suis en sueur. Quoi? Comment ça, soldat, tu es en sueur? Majesté, ce jeune soldat veut dire qu'il est en nage parce qu'il n'a pas arrêté depuis notre entrée dans la forêt. Il a très chaud. Chaud? Il a très chaud alors que moi, je meurs de froid? Mais il n'a pas arrêté de déblayer la neige, Majesté. Donne-moi une pelle. Oui, Majesté. Comment ça va, monsieur le Premier ministre? Attention, Majesté, vous ne devriez pas...
Je commence à avoir chaud. Je crois que je suis même en sueur. Ça vous étonne que je sois en sueur, peut-être? Non, 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 pas du tout, si c'est vous qui le dites, Majesté, alors... Bon, très bien, je suis en sueur, je suis même très en sueur. Je suis désolée pour tout ce qui arrive. Excusez-moi, esprit des 12 mois. Vous surtout, esprit du mois d'avril, j'ai perdu la bague que vous m'aviez si gentiment offerte. J'ai retrouvé le lac. Regarde. Oui, mais tu n'as quand même pas trouvé des galanthusias. Non, j'ai pas trouvé de galanthusias, mais le lac est en forme d'assiette. Le quoi? Je vais t'expliquer. J'ai inventé une histoire rocambolesque pour la reine. Elle était si folle de rage, elle était prête à nous faire exécuter. Et moi, je lui ai parlé d'un lac qui était rond comme une grande assiette, et j'en ai trouvé un. Tiens, c'est toi. Ah, c'est vous, monsieur le soldat? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu dans cette forêt parce que je suis aux ordres de la reine, comme je te l'avais dit. Tu as oublié? Ah oui, c'est vrai. La reine est ici? La reine m'a ordonné de chercher un lac rond comme une assiette, mais il ne semble pas exister. Mais bien sûr que si, il existe. Je viens de le trouver. Quoi? Tu as réussi à trouver le lac? Comme une pauvre fille? Eh oui. Oh, c'est curieux, je ne la voyais pas du tout comme ça. Oh, tu as beaucoup de chance. C'est bien toi, n'est-ce pas, qui a cueilli les galanthusias qu'on m'a apportés? C'est moi, Majesté. Alors, le panier d'écus d'or te revient de droit. Tu veux une jolie robe, un collier? Tu peux avoir tout ce que tu veux. Il suffit de me le demander, n'hésite pas. Allons. Je suis très contente que les fleurs vous plaisent, Majesté, mais je ne veux pas de vos écus d'or, ni d'une robe, ni d'un collier. Je vous remercie. Ah bon? Et qu'est-ce que tu veux, alors? Je voudrais simplement récupérer ma bague. Quelle bague? Je ne comprends pas. Quelle bague veux-tu? Ne faites pas attention, elle dit n'importe quoi. Elle n'a pas toute sa tête, la pauvre. Elle dort debout, mais c'est comme d'habitude. Non, je ne dors pas debout. C'est pourtant toi qui m'as dit que la reine t'avait demandé de lui donner ma bague, n'est-ce pas? Donnez-moi cette bague, et tout de suite. Je suis désolée, Majesté, mais je ne comprends pas du tout, je n'ai pas de bague. Très bien, nous allons voir si vous avez menti. Officier, s'il vous plaît. Oui. Alors, la bague? Dépêchez-vous. Ah, attendez, je l'ai retrouvée. C'est ma bague. Attends. Fais-moi voir cette bague. Et bien sûr, Majesté. Oh, elle est très belle. Je n'en ai aucune qui lui ressemble. Très bien, tu peux la reprendre. Merci. Merci, Majesté. Mais à une seule condition. Dis-moi où tu as trouvé les galanthusias. Oh, excusez-moi, Majesté, mais je préférais pas vous le dire. Ah oui, et pourquoi? Parce que je ne peux pas, Majesté. Explique-moi. Je suis la reine. Je peux te faire exécuter. Je n'ai qu'un mot à dire. Alors, dépêche-toi de répondre. Non, je suis désolée, Majesté, mais j'ai donné ma parole et je suis obligée de la respecter, comprenez-moi. Ta parole? Tu as donné ta parole à qui? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas vous le dire. Anna, dis-lui, tu ne dois rien cacher à la reine. Tu ne veux pas répondre? Regarde, je jette ta bague au loin si tu refuses. Non, non. Alors réponds. 1, 2, 3. Tu as cru que je l'avais lancée, n'est-ce pas? Je l'ai toujours dans la main. Maintenant, dis-moi où je peux trouver des galanthusias. C'est pas compliqué. Et je te rends ta bague. Je n'en cueillerai qu'une seule. Je te promets, ce n'est pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que tu décides? Quoi? Tu pleures? Vous pouvez jeter la bague. Oh, très bien. C'est toi qui l'auras voulu. Tant pis pour toi, ma fille. Oh! Non! Roule, belle
bagues. Roule vite auprès de l'esprit de printemps, tout au long de l'été, aux portes de l'automne, au manteau de l'hiver, jusqu'au nouvel an. Oh, une tornade. C'est absolument impossible. La glace a fondu. Oh, passez-moi, je rêve. Majesté, regardez, des galanthusias. Oui, des galanthusias. Vite, Majesté, dépêchez-vous. Oh, les galanthusias disparaissent. Oh. Elles ont disparu. Les galanthusias. C'est vrai, Majesté, elles ont disparu. Oh, c'est ridicule. C'est l'été. Nous sommes déjà en été. Quelqu'un m'apporte de l'eau. Je vais défaillir. J'en peux plus. Il fait tellement chaud, je n'ai plus la force de bouger. C'est incroyable. C'est totalement impossible. C'est un rêve, c'est un cauchemar. Je vais me réveiller. De l'eau, votre majesté. De l'eau? Mais tu es complètement fou. Tu ne vois pas que je suis trempé. Ah, c'est étonnant. On dirait une pluie d'octobre. Nous étions en plein été il y a 10 secondes et maintenant nous sommes en automne. Votre Majesté, j'ai le regret de vous annoncer que l'automne touche à sa fin. Alors l'hiver va arriver, n'est-ce pas? Au secours!
Le vent est tombé, Majesté. Vous ne risquez plus rien maintenant. Regardez, il n'y a plus une feuille à un arbre. Mais qu'est-ce qui se passe? La plaisanterie a assez duré. Mais qu'est-ce qu'il y a, professeur? Ça ne va pas? Je refuse de tomber dans le panneau. Quel que soit le temps qu'il puisse faire, nous sommes bien le premier de l'an. Oh, il commence déjà à neiger. Et il neige? Oh, mais oui, bien sûr, il neige. C'est tout à fait normal pour un premier de l'an. Il neige, il neige. C'est incroyable, il est retombé en enfance. Oh, qu'il neige, youpi, qu'il neige, c'est normal, c'est normal. Nous sommes au premier de l'an et il neige. Oh, le pauvre, j'espère que ça se soigne. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un étrange pressentiment. Oh, et puis j'ai froid, j'ai très froid. Donnez-moi un manteau. Oh, oui, donnez-nous un manteau, nous aussi. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Le vent les a tous emportés, Majesté. Il n'en reste aucun. Oh, il y en a un là-haut. Un manteau. C'est à moi. Laissez-moi. Triste spectacle. Elles se battent comme des chiens devant un os. C'est incroyable, j'ai des visions, je deviens fou. Allez, couchez. Sont partis, Majesté, vous n'avez plus rien à craindre. Il n'est pas normal que des êtres humains se transforment en chiens. Oh, j'ai froid. Je pourrais vous faire un feu. Regardez. Le lac. Maintenant, ouvre lentement les yeux. Oh, ma bague, ma bague! Oh, merci, Esprit d'Avril, merci! Nous t'avons permis de retrouver ta bague et offert ce manteau parce que tu as tenu ta promesse. Ce traîneau aussi est pour toi, pour te récompenser de ton honnêteté. Oh, comme il est beau! Et voilà le cocher qui te conduira où tu voudras. Peut se réchauffer. Je suis la souveraine de ce royaume. Qu'on me ramène à mon palais en traîneau immédiatement. Le traîneau appartient à cette jeune personne. Demandez-lui l'autorisation. Vous voulez que je lui demande? Vraiment, crois-moi, tu aurais tort de refuser. Oh, ça alors. Nous nous retrouvons encore. Eh oui, bonjour, soldat. Oh, tu es aussi belle qu'une reine. Attention, c'est moi qui suis la reine. Non, pardon, Majesté. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous continuez à vous chamailler, même étant des chiens. Oh, même en étant des chiens? Oh. Oui, ces chiens sont tes amis. Mais je ne les ai jamais vus. Jamais. Non, non, c'est impossible. Tout à fait impossible. Il est pourtant arrivé bien des choses tout à fait impossibles aujourd'hui. Oh, ça oui. Il faudra même changer la définition du mot impossible dans le dictionnaire. Oh, elles sont vraiment devenues des chiens? Mais elles resteront toute leur vie? Elles ne redeviendront jamais des êtres humains? Tu vas les garder auprès de toi pendant les 3 prochaines années. Et amène-les ici à la veille du nouvel an, si elles se sont montrées douces et gentilles. Et elles redeviendront ce qu'elles étaient? Je vous aiderai. Comment tu peux être si gentille alors qu'elles ont été si méchantes avec toi? Vous comprenez maintenant pourquoi elle a pu cueillir les galanthusias en plein hiver. C'est sa gentillesse qui lui a permis de trouver des galanthusias. Je vous en prie, Majesté, montez sur ce traîneau pour rentrer au château. Tu me permets de rentrer avec ton traîneau? Ah, bien sûr, c'est tout à fait normal.
Mais je n'ai pas été très gentille avec toi. J'ai récupéré ma bague. Regardez, Majesté. Laissez-la donc nous emmener dans ce monde où règne la gentillesse, Majesté. Le château est bien loin d'ici et vous n'avez pas de manteau. Majesté, je vous en prie, prenez celui-ci, vous avez très froid. Mais tu me fais même cadeau de... Comme il est chaud. Mais il est à vous maintenant. Il vous va bien? Oh, il est exactement semblable à l'autre, regarde. Il y a longtemps que j'attendais ce jour où votre majesté comprendrait. Cette petite fille a su vous montrer que vous aussi vous avez un cœur. Et c'est peut-être parce qu'elle est orpheline, tout comme vous, majesté. Tu es orpheline? Oui. Adieu, esprit des 12 mois. Adieu, esprit des 12 mois, et merci du fond du cœur. Adieu. Donna, donna, tu sais que t'es bonne. Donna, donna, il se bora su tutte mo. Yasashi kokoro ga, yasashi kokoro ga. Makuyu no mori ni hana. どこかで歌っている Moriva, 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 Mori